C'est un revenant qui sera dimanche sur la grille de départ à Melbourne. 8 ans et 4 mois après sa dernière course, Robert Kubica fait son grand retour en Formule 1. Un pari fou pour le Polonais de 34 ans et son écurie Williams Racing, tous deux confrontés aux fantômes du passé. Pilote le plus doué de sa génération, Kubica se révèle en 2006 chez BMW. C'est avec l'écurie allemande qu'il remporte son premier Grand Prix en 2010. Des débuts fracassants, parfois trop. Sa carrière s'arrête brutalement sur une route italienne en février 2011 alors qu'il participait à un rallye. Multiples fractures et mains écrasées, le Polonais subira une trentaine d'opérations en 8 ans. Aujourd'hui, sa main droite ne lui sert plus que d'appui. It is a big achievement, one of I think the biggest achievement of my life. Of course, I always had the hope. I never closed completely the door. I went back rallying in WRC. Everybody thought I forgot about Formula 1. Le grand saut en F1, ce n'est pas pour tout de suite. Avant d'y penser, Kubica effectue 3 saisons en WRC. Après un test chez Renault en 2017, Williams lui offre enfin un baquet pour 2019. Une occasion à saisir avant que la porte de la F1 ne se referme définitivement.